Vous avez vu cet ambiançage? Ah oui, c'est monstrueux. On sent les effets spéciaux qui ont été gérés pour les transitions depuis très longtemps. Comment allez-vous bien, les amis? Ah, ça fait plaisir de vous voir ici. Il paraît qu'il s'est passé des choses, beaucoup de choses. On va pas en parler, hein, on n'est pas là pour ça, on s'en fout. Non, ce soir, je vais vous emmener dans The Eternal Cylinder. Pourquoi? Parce que je l'aime, ce jeu. Oui, j'en suis fou. Pour moult raisons, mais surtout parce qu'aujourd'hui, il me permet d'avoir l'opportunité de vous présenter un épisode que j'intitulerai, oui, j'ai déjà le titre de cet épisode, La bataille du testicule. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai pas envie d'y aller. J'ai super pas envie d'y aller, les gars. Me faites pas ça, quoi. Mais je passe comment, du coup, moi? Parce que j'ai... Ah! Je suis retombé tout en bas, mange tes ours! En fait, faut juste passer sur celui qui est devant moi. D'accord? Donc, je vais avoir un saut à faire à un moment. Quand? Bah, au moment opportun, c'est bien connu. Il est con ce moment opportun, il est là. Regardez. Ya! Merde! Ah, raccroche-toi. C'est toujours ça d'économiser. On va la jouer comme ça. Quoi? Non, rien. Je peux peut-être remonter avec un peu de bol, sur un malentendu. Ouais. Ça, c'est gentil. Alors l'idée, ça serait que j'aspire les cristaux. Au passage, j'en profite. Si je m'étais mis plus au centre. Ça, c'est la théorie. Oh là! C'était limite. Va falloir anticiper le saut là. Hein. Ce bordel. Ah, il y a un truc dans The Eternal Cylinder qui fait que je regrette pas du tout d'avoir investi dans ce jeu. Hein. C'est la créativité des développeurs. Ils ont créé quand même quelque chose qui a un gameplay particulier, multiple. Et
chaque partie du jeu en fait pourrait être un jeu indépendant tellement c'est bossé, c'est développé, c'est assez incroyable. Bon, tant pis pour les cristaux. Oh, la sortie si proche, si loin pourtant. Est-ce que je joue au con? Oui, il va falloir de toute façon. Ouf, ouf. Bon, au moins on sera sorti, c'est la bonne nouvelle du jour. Non! Je récupère tout ce qu'il y a récupéré là, c'est dégueulasse. Yes! Yes, 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 what? Hein? C'est pourquoi? Oh le gadin, et je remonte où maintenant? Là, il y a un ascenseur, ça c'est la bonne nouvelle. Allez, on va essayer de s'appliquer un peu. Là, il y a des courants latéraux en plus pour pas faire plaisir. Ah! Non, mais sérieux, un peu de bonne volonté des fois. Et là, faut vite, vite, vite s'arrimer. Yes! Ce fut laborieux. Oh! Vepo l'ancêtre. Vepo. Quelle belle fourrure. The elder was sad to hear the story of the Trevor and their failed journey behind the cylinder. You have been through so much. I wish I did not have to place even greater burdens upon you. But we Trebam are not meant to live in this cold and cruel place. You must continue your voyage. You must cross the waters and reach the ancient lands of the desert. There lies the only hope for our people. You see, we Trebam once had the means to sing to the stars and build vessels that allowed us to dance in the heavens. Seek one of these floating palaces. They may be the key to finding salvation in these times of despair. Farewell, brave little ones. May we meet again someday in another world. Et comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, le jeu se révèle vraiment très progressivement, c'est vraiment drôle. Arrêtez de muter dans ce centre d'autorisation, les gars. Du coup, ça donne des idées aux joueurs. Par exemple, là, je pourrais prendre une mutation permanente pour essayer de résister au froid, mais apparemment, il y a des étendues désertiques qui m'attendent, donc c'est une mauvaise idée. Il y a aussi un truc que j'ai pas fait voir, c'est un espèce d'hôtel. Où il m'a remis. Oh, on n'est pas bien là les gars, on va bouger. Pas moyen de monter. Ouais. Il y a un hôtel qui permet également de démuter. Oui, de soustraire des mutations. Bon les amis, on va cavaler je crois. On va cavaler vers cette jolie tour. C'est parti, vous êtes prêts? Chaud, chaud, chaud. Fire! L'autre côté classe de The Eternal Cylinder, c'est qu'on peut très bien voyager dedans à son rythme et décider d'explorer toute une zone avant d'avancer. Pour la retourner complètement, tomber sur des bonus improbables, peut-être des mutations exceptionnelles. Et c'est vraiment très très drôle. Parce que... ça en souvenir parce que chaque joueur va créer sa propre aventure de manière vraiment très unique.
là, ouais, je vais l'attendre vraiment paisible ici. Mais le gros, tu nous auras jamais. Venez là, les gros. Parce qu'on sait jamais, elle va peut-être pas tenir ce tour, j'en sais rien. Je suis pas super à confiance. J'en ai déjà plusieurs compétés. Ce grand silence. ça a l'air bon, ça. Qui qu'on veut. Va le chercher. Non, pas toi. Non, pas toi. Mais qui c'est qui a de la place dans son inventaire, bordel? Ça doit se bouffer. Tout se bouffe. J'ai quand même pas muté. Eh bien, si. Ouf. Oui, oh, bon, ça c'est un truc d'analyse, c'est pas terriblement utile pour ce qu'on va faire. On va essayer de prendre du temps pour celui-là, puisque apparemment il y a un temple encore. Et avant d'aller dans le temple, on va aller jeter un œil par là-bas ce que c'est. Tout curieux qu'on est. Ça, j'ai pas trop compris ce que ça représentait. Et ça doit pouvoir s'essayer, j'imagine. Ah, pas lui. Oui, alors lui, je vous fais voir. Il est où? Oui, le Zouchgarg. Le Zouchgarg est très sympa comme taxi, mais peut-être un peu trop volontaire. Et il vous kidnappe, il vous embarque, mais le problème c'est qu'il peut vous bouffer aussi. Donc ça peut être utilisé pour se déplacer, mais pas que. Ça peut être aussi utilisé pour se suicider. Moi je vais essayer ça. Bon, je sais pas pourquoi, mais je vais l'activer parce que je suis un mec cool. Putain, ça fout le feu. Je pourrais peut-être essayer de brûler le truc. Plein d'idées diaboliques me viennent à la tête en même temps, c'est terrible. On va aller dans ce temple, on était là pour ça à la base. Mais voilà, le jeu est assez génial parce que les programmeurs sont les seuls à savoir très très bien où ils veulent nous mener. Et nous, on découvre et on comprend rien. Et tout est sujet à expérimentation. C'est super rigolo. Allez où l'entrée de votre truc, les gars. Hop, merci. Et gros machin. The projection shared a new recipe with a Trevor, which could protect them from the cruel light of their enemies. Pour rappel, si vous avez raté les émissions précédentes, il y a des mutations dans le jeu, ça vous le savez très bien. Le problème, c'est que ces mutations peuvent être complètement wipe, effacées par des ennemis qui tirent des grandes raies de lumière jaune. Et ça vous reset toutes vos mutations. Et pour passer à certains endroits, on en a vraiment besoin. Et du coup, en avançant dans le jeu, vous découvrirez que vous pouvez avoir des mutations permanentes. Mais pour les réussir, il faut obtenir une série d'ingrédients qui vont permettre justement d'activer cette mutation permanente et de la garder résistante aux ennemis qui tirent des rayons de lumière jaune. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de celle-là? Ça me fait rire. Non. Moi, ce que je voudrais, c'est une mutation qui... Ça peut être bien. Ça, je sais pas, mais on va pas la prendre en permanente pour l'instant parce que j'ai aucune idée de ce à quoi elle sert. Et du coup, mine de rien, on est sur la carte où il y a les 50 mutations simultanément, j'ai l'impression. Non, ouais. Non, celui-là, faut surtout pas le prendre. S'ils sont en bas, c'est que c'est les négatifs. Alors, un savon.
ou extraire de l'eau, ça me semble quand même plus important. Allez, action, on va se faire celle-là en priorité, ce sera mieux. Allez, ciao le vieux. Venez, ma horde, on y va. Alors, il va falloir que je trouve un verre, une espèce de betterave, je sais pas quoi. Et petit caillou rose. Neuf. Ça doit pouvoir se trouver, les amis. Là, si je vais là-dedans, je vais faire avancer le cylindre à nouveau. Et ça risque d'être problématique si j'ai pas prévu ma sortie. Qui est juste en face là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait avancer? Allez, on tente. Fire! Pendant sa sieste. Elle est un peu loin cette... ce pylône ou c'est moi? Ouais, il est chaud derrière. Il est chaud chaud. Faut pas qu'on traverse une étendue d'eau, sinon on va être dans la mode. Ça va pas être confortable en tout cas. Trace en trace. Alors c'est super bizarre à chaque fois qu'on active le cylindre de se dire toute cette zone je pourrais pas l'explorer. Ni en comprendre les énigmes ou le fonctionnement. Me voilà bien. Ennuyé avec un N majuscule. Oui, un N majuscule. Normalement on dit une naine, mais bon là c'est un N. Hop, les choums, les frangins. It's time. Je sais pas pourquoi, je sens que ce pilier va nous faire un joke. Oui, le fameux joke canadien que personne n'aime. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je t'ordonne de t'arrêter! Juste autorité. Bon. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, faudrait que je trouve mon collègue qui a la faculté de se gonfler. Non, pas toi. Oui, toi. Si on aurait moyen de s'ascensionner sur cet être... On y va. J'y suis. Ah bah, reste-y. Hein. Attends, te casse pas la gueule non plus. Oh, douille. Bon, on ira une autre fois, ça m'ennuie. On va regarder l'émission un petit peu, les objectifs, ça pourrait être bien. Attention au terrible Oscar des glaces. Bon, ça on a fait. Maintenant, on est coincé dans cette zone, hein, vu que tout est rouge. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien avancer. Ça, j'ai toujours pas trouvé d'utilité à ces plantes. Qu'on pourrait brûler. Hein. Ouf. Non, il n'y a pas d'intérêt à les brûler non plus. Oh, cette zone a l'air fort. C'est quoi? Non, me le dites pas en fait. Là, j'ai pas super envie de savoir. Qu'est-ce que... Oh! Ok. Donc j'ai la créature qui fait des œufs bouillons. Des œufs chauds, quoi. J'ai ce truc au milieu là-bas qui a l'air vraiment trop sympathique. Mais vraiment, vraiment. Et si préalablement je prenais ça, je pense que ce serait pas un luxe. Qui c'est qui mugit? Je sais pas, on va vite le savoir. De toute façon. Les gars, faites comme moi, prenez des trucs en feu. Pourquoi? J'en sais rien, mais vous allez le comprendre. Peculiar creature. It did not resemble the servants of the cylinder, but somehow it seemed oddly menacing. And what was that thing pulsating beneath it? A heart? Something in the Trebham's ancient memories made them apprehensive. Ça marche! J'aurais peut-être pas dû! Je sens que ça va exploser, ça. Hop, 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 hop. Regardez comme il est pas content. Je vais lui faire cramer son testicule. Oui, c'est un testicule, les gars, vous avez tous compris! Comment me débarrasser de cette bestiole? Tout simplement en lui mettant du feu partout. Ah, ça marche pas. Ouais, ça marche. J'ai pris un coup, je crois.
Alors est-ce que ça lui fait quelque chose? J'en sais rien. Ça a marché. On a tué une créature. Regardez. Et on a son cœur tout chaud qui est là. Qu'est-ce que c'est? On l'essaye. Et on n'est pas là pour faire du tricot. Ok, j'accélère ma vitesse de guérison. C'est parfait tout cela. Oui, on va essayer de le cramer hein, pour comprendre. Je cesserai pas de le répéter. J'adore comme ce jeu est basé sur les expérimentations. On vous dit rien, vous vous démerdez. Et vous regardez ce que le jeu vous laisse faire ou pas. Et c'est quand même super drôle. Est-ce qu'on fait avancer le grand cylindre maintenant qu'on a déverrouillé la zone et que le champ magnétique est devenu bleu? Oui, c'est une bonne option, mais j'aimerais bien quand même explorer plus loin ici. Essayer de piger. Ah, faudrait que je récupère une des... Une perle d'escargot pour vous faire voir ce que ça fait. Parce que j'avais récupéré quand même quelques mutations pendant la version bêta. Pas piquer des hannetons comme on dit. Et c'était vraiment très très drôle. On va se planquer là. Oui, chouette, il se barre. Génial. Yes! Ouh, ça va être Disco Wiz. J'ai toujours pas le droit de m'en servir, je présume. Non, toujours pas. Ah, oh, elle est terrible cette mutation, je la connais, je peux pas vous la spoiler. Oh, j'ai deux perles nacrées, j'ai pas le droit de m'en servir. Quel dommage, quelle tristesse. Alors, par quel côté on pourrait attaquer le petit jambonneau, là? J'en ai aucune idée. On va regarder un petit coup sur la map. Si tant est qu'elle va lui dire quelque chose. À droite, on me dit, c'est pas terrible. Le milieu, c'est mieux. Admettons. Ouh, mais c'est que c'est la grosse fin, là. Ouh, je vais prendre ça aussi. Les gars, qui c'est qui stocke, celui-là? Non, pas toi. Pas toi. Pas toi. On va manger ces tubercules là. Et on aura besoin ça pour se faire un masque de plongée, comme on dit. Et j'ai tout sauf les ingrédients que je devais ramasser, vous avez remarqué quand même. C'est assez génial. On va avancer un petit peu moins vite que prévu. Des fois que je tombe sur un de ces ingrédients. Mais pour l'instant c'est très mal barré. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça se mange. C'est pas bon mais ça se mange quand même. Plop. Tremble, prédateur, tremble. Est-ce que Monsieur K sait ce qu'il fait? Absolument pas, mais il le fait avec bon cœur, avec joie et discipline. On va peut-être avoir un problème de cylindre, nous, mais on s'en fout, on trace, on roule, on avance. Je ne vois pas la tour, je ne vois pas la prochaine tour. Ça, c'est un souci de tous les instants. Oh, il y a une méga sauterelle, là, elles ont des trucs bien, elles aussi. On n'a pas le temps pour le tourisme. On y va, da, boubou, dédé, hop, 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 hop. Où est la prochaine tour, les amis? Les amis, hop, 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 elle est à tribord. Toutes. Toujours un œil sur le cylindre, c'est important.
Ça va la famille, ça suit. Il y en a un à la traîne là-bas. Tu nous as fait peur, toi. Elle va pas nous faire le coup de la tour qui pète, celle-là. Non, non, moi je suis pas pour. C'est cool. Regardez-moi ces couleurs chatoyantes. Où est ton... Oh, la zone de ça. Je le brûlerai bien, lui. On se laisse attraper, on monte dessus. Beware, the voice and their memories cried out. The mathematician has been summoned. This place is no longer safe. Oh non, ils vont enlever la tour. Laisse la tour, gros. Tout est contre nous. Les éléments, la nature, les créatures. Oh, il a enlevé le pylône, cette tête de... Oh, faut pas que je passe là. Surtout pas, les amis, pas ici. Suivez-moi, j'ai une idée. J'ai Aya the Plan. Je suis comme Rick. Putain, je vais où, du coup, moi? Je vais où? The pylone is moving. The cylinder is moving. The direction, I don't know. I see a tower in the background. In the far horizon. Quoi, mon anglais est pourri. Mais j'ai autre chose à foutre, les amis, regardez. Ça va être périlleux d'aller jusqu'à la tour. Mais on va y aller. Car on est très déterminé. Comment ça, ça sonne faux? À gauche, à gauche, gauche, elle est bonne, celle de gauche. On peut la voir. We can have the tower. I am the cat, leader of the universe, and I care n'importe quoi. Because I'm not affolé. Regardez, il est juste derrière tout. Roulez les gars, roulez les gars. Hop, on se suit. Où qu'il en est, où qu'il en est. Ah, il avance, hein. Il avance, les gars. Je crois qu'il est déterminé un peu. On y va. Hop, 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 hop. La famille, suivez-moi. La familia, suivez-moi. On est bon là, on est bon, regardez. Hop là. Donc le grand cylindre est contre nous. Le mathématicien, oui, cette créature géante avec une jambe en patrie de fille, je ne cesserai de le dire. Il est contre nous lui aussi, hein. Il a détruit le pylône pour nous foutre le Bronx et nous faire cavaler encore plus. As the Trebum continued their voyage to the desert, they felt a strange sense of being observed. Je me sens observé. But this was not the cruel gaze of the cylinder and its servants. No, it was almost as if someone was trying to help them, laying out a path for them to find. C'est le développeur. The voice and their memories encouraged them to go forward. Alors, il y a un passage là-dessous, on va aller explorer juste après, on va regarder ce qu'il faut pour libérer notre collègue qui est dans cette cahute. Yo, poteau, il te faut deux comme ça et deux comme ça, ça c'est dans le domaine du trouvable. Mais je ne les ai pas sur moi, mais pas sur moi, mais ça veut pas dire que je les ai pas du tout, hein. Il est quand même monstrueux, parce qu'il vous fait cogiter un poil. Il vous fait faire de la plateforme énormément. Enfin, énormément, à bonne dose. On va plus remonter, hein, qu'on se rend bas, les gars, vous êtes au courant? Ok. Et surtout, vous ne savez jamais où c'est que vous allez mettre les pieds, quoi. Vous y allez, naïvement, presque sereinement, je serais tenté de dire. Oh, un œuf. Il me faut quelque chose pour le faire écolore. Ah, ça doit être juste derrière là-bas, regardez. Est-ce que je pourrais avoir une horde de plus de 4 lascars? On va le savoir dans pas très longtemps, ça. Au poil. On va se récupérer stuff. On va voir si on a le droit d'avoir une horde de plus de 4 individus. Ça, ça serait monstrueux, parce que si ça monte dans les tours comme ça... Arrête de faire l'andouille. Oulup. Bah oui, la couveuse juste à côté. On va en profiter. Hop là. Plop. Pas trop cuit. Oh. Oh. Mais je vais avoir tout le clan.
Poulpita. Ah, si vous ne connaissez pas, vous vous connaîtrez désormais. Oui, j'ai tout mon clan de streamers autour de moi. On a Chaos, on a Deline, on a Poulpita. La famille est au grand complet, c'est la joie. Poulpi, on va l'essayer tout de suite d'ailleurs. Eh bah tiens, mange des cubes. On va peut-être en avoir besoin dans pas très longtemps. Parce que s'il les a disposés ici, c'est que forcément, il y a une utilité quelque part. Qu'est-ce que c'est que ce passage-là? Ça va, tu t'es pas trop cueilli en nous attendant? Bon, les autres, je sais pas ce qu'ils foutent, mais faut pas compter sur eux. Ils m'ont dit qu'ils avaient un brunch et un debriefing après la réunion. Hop, on y va. Non. Ce titre. Alors, un regret à formuler. Peut-être qu'on n'a pas assez de missions simultanées. Trouver des structures similaires aux plateformes qui permettaient d'accéder aux demeures des ancêtres. Trouver l'ingrédient manquant et servez-vous-en pour vous dissimuler parmi les cristaux que le mathématicien examine. Ok. Alors, sur la tour en haut, ça peut me servir d'indicateur, et on va pas se gêner. J'ai deux traits qui me montrent des endroits que j'ai pas forcément visités. Et on va aller voir ce que ça donne. Ah, le verre, j'en ai besoin. Qui c'est qui s'en charge? Qui c'est qui a de la place, toi? Plop. Alors, c'était pas exactement le verre dont j'avais besoin tout à l'heure, mais je sais que j'en ai besoin des verres. Toi. Et puis je pourrais activer à n'importe quel moment de toute manière le. Alors il y a un faisceau qui vient là-dedans. Il y a forcément une raison. Plop. Ok, je peux ressusciter d'anciens. Très bum que j'avais, est-ce qu'on le fait? Je suis très très tenté parce qu'il y a des très bums qui datent de la bêta et qui sont devenus cultes, notamment le fameux Tupu. Et je me ressusciterais bien Tupu, honnêtement. C'était le meilleur de tous. Oh mon crew, regardez, il y a Tupu tout carré qui est là. Alors on va le reprendre. Ah, il est content. Pardon, Deline. Parlons de Chaos. Je reprends Tupu, qui est quand même icône de ce jeu. On va aller jeter un œil, hein. On est là pour se balader. Puis on verra si on trouve les ingrédients en route. Ça peut être pas mal aussi. C'est de la glace ou de l'eau? La glace. Étrange. Bizarre. Et alors, c'est par-delà le... Ah non, c'est bon. C'est des... Oh, non. Comment je l'ai dit? On y va les gros. Ah bah y a un truc pour faire le cœur juste à côté en plus, parfait. Cette famille qu'on va avoir les amis, ça va être monstrueux. Je te laisse éclore, je vais chercher 2-3 ingrédients. Hop. Allez, à tout de suite. Qui vient d'arriver? Ah là je vais être en panne de streamer. Non, pas du tout, regardez. Qui vient d'arriver? Tonton JP, bien entendu. Et là, j'ai vraiment toute la betterave family. C'est fantastique. Mais on va être combien à la fin, les mecs? Parce que moi, je vais pas arriver à commander autant de créatures en même temps. Alors, j'étais persuadé, par rapport à la bêta du jeu, qu'on était limité à 4 bestioles simultanément, mais regardez-moi ce bordel. Est-ce que ça va aller loin, cette affaire? Non, pas forcément, mais on va rigoler. Oui. Pour sûr, on va rigoler. Je te prends ça, hein. Pourquoi? Je sais pas. Pour certainement pour quelque chose. Mais dont j'ignore la fonction immédiatement. Tonton JP va-t-il nous mener à la réussite? Vous le saurez tout de suite après cette coupure de non-pub. Mustard. Make it two.
Master. Control was good. You can see how good as two commanders lead a planetary treasure hunt in Pikmin 2. With two-player mode, may the best scavenger win. Only for Nintendo GameCube. Rated E for everyone. Alors, que s'est-il passé ici? Pas grand-chose pendant mon absence. Le grand cylindre, oui, il est toujours là. La zone d'exploration, bon, c'est toujours la même. Et j'ai toujours ces traits bleus à deux endroits qui pointent. J'en ai vu un. On va peut-être regarder le second. On va les prendre bêtement dans l'ordre où ils se présentent. Le plus proche en premier. Et la seconde. Juste après. Celui-là, on l'a déjà fait. On est passé dedans. On a vu qu'il y avait un truc pour éclore ou ressusciter. Je me rappelle plus. Il n'y a que celui-là qu'on n'a pas fait. Was this a ruin? Some part of an old temple? No. Not quite. Oh, cette famille. Je le connais lui, je le connais, on va se barrer, on va lui laisser la place, il est très méchant, il est plein d'électricité, il va pas être commode. Non, il vient droit sur nous! The end. Non, on est à l'intérieur, tranquille. Ok. It's a trap, les gars! Est-ce qu'on va là-bas? Je sais pas. Est-ce qu'on peut aspirer des trucs? Je ne sais pas non plus. On va rouler. Oui. C'est quoi ça? Je pense qu'il faut pas le toucher, vu la couleur. What was this place? Were the Trebum dead? If so, this was a very odd afterlife. Perhaps this strange elder could tell them what was going on. But before they could ask, the elder spoke. The celestial Trefala have seen your journey, and I have been told of your deeds. There's an old bond between our people, Trebum, and Trefala. We once lived in harmony, but the invasion of our world has split us apart. If you do not know their song, the Trefala will not recognize you as a friend, so I am here to help you as much as I can. The floating palaces you seek lie ahead, as you were told, but they will be of no use to you unless you reclaim all the powers of our people, which the cylinder has stolen. There is only one way to do so, by entering the portal that links our world to the dreams of the Eternal Cylinder. The greatest of the Cylinder's servants, the Mathematician, is the Gatekeeper. He absorbs that which is of value to the Cylinder, and his master has become intrigued by the crystals that the Trefala wear as crowns. Find these crystals and acquire the mutation which will allow you to appear as one of them. Thus, you will trick the Mathematician into granting you passage. And now, I must return you to the land. There is little time. The Trefala are being hunted, and only few are left. May you succeed in your quest, for all our sakes. Donc on va jouer un rôle d'imposteur, puisqu'on va trouver une mutation qui va nous permettre de nous faire passer pour... Une autre créature qui ne sortirait pas du trou de balle d'une gigantesque bestiole en forme de serpent. Ouh, quelle aventure. Ça, c'est nous. Et vous vous demandez certainement ce qu'on fout là. There was more to this journey than mere survival. So far, they had acted only for themselves. But now, they had been entrusted with a task that would affect many others. And although that was frightening,
The knowledge that they were acting for the greater good gave them strength. Oh, cette dream team qu'on a quand même, les gars. Je vais faire la petite pause réglementaire par ici parce que ça fait beaucoup de choses pour un seul homme. Et face à la création, je suis modeste, je suis timide et je suis impressionné.